וידבר אדוני משה לאמור פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקראו את קנאתי בתוכם ולא כיניתי את בני ישראל בקנאתי לכן אמור הנה אני נותן לו את בריתי שלום מה זה בריתי שלום? מה זה איננו נותן לו את בריתי שלום? כן, פשט? ז'ודן לו שלום, זה בשביל כמו ז'ודן מן אליאנס לו שלום. זה כל פשט. זה השכר גדול כנראה. פנחס היא לפן אקשיון בשירות נפש אימנס. כדוש ברוך הוא יביאן, הוא פרומה הסלר, אני נותן לו את בריתי שלום. כיס כאילו רשו? Là, j'ai dit, c'était elle, les bris de shalom. Que Adam a marzik tova, behenout, le osei mot tova, afkan, pirech, le kadosh bourou, shlomo tav. Rashi, il dit que c'est même pas de sacha. Il dit, shalom, kilo, hazak ou baruch. Le kadosh bourou, il dit, minhas, hazak ou baruch. La mata no tenlo. Pourquoi? Top. Oui, depuis le début, comme on a promis. Ça y est, la date, les mi-yoma. Vas-y, va y d'abord Hachem et le Moshe, les morts. Les morts, les mi. Qu'est-ce que Moshe il avait à dire? Partout il y a écrit, il y avait Hachem et Moshe, les morts. C'est que Moshe a à dire. Et là, la suite, c'est quoi? Pinchas ben Elazar, ben Aaron, la Kohen. Ma'o tzrik lomar? Lo ya tzrik lomar. Il est Pinchas, lo ya tzrik lomar, hagar. La reine est mort. Si on parle de Pinchas, c'est quoi? La reine est mort, il est nutinant. Je suis Varamar, je suis Omar, lo advarim. ועוד זה דברים, יגיד שלא כן, ונראה שנתכוון בזה שיאמר לישראל דברים הנאמרים בעניין והכוונה כדי שיכירו מפעל טוב שעשה להם פנחס. השם ילדיע משה לאמור, ורקונטי העם ישראל, כסכי לפה פנחס. כל אקשיון, כל בן אקשיון ילפה. יעניין, דת מפרסם, דפובליה, סוכיפור עם בן אקשיון, סדנו אחרי אנבי וזאת דולפר. גם סט סמל. Je vais vous dire une bonne action qui a été faite. Rien que d'entendre ça, c'est d'aller voir ce que ça en est. Ah, qu'est-ce que je veux dire? Tu sais ce que je veux dire? Non, je ne sais pas. Non. Il y a un Kolel qui s'appelle Kolel Idan. Kolel Idan, vous avez entendu? Idan. Idan, Kolel Idan. Ce Kolel-là, il a été ouvert par Rav Kanievski. J'ai écrit un autre Rav. À Beth Shemesh, un petit groupe de 10 avrechim. C'est quoi le but du Kollel? Déjà pour rentrer dans le Kollel, il faut voir la sélection. Enfin, c'est quoi le but de ce Kollel-là? Connaître tout le chasse. Béalpé, Gmara, Rashi, Tosfot. Chaque lavétaria. Pas mot à mot, chaque lavétaria. Tout le chasse. Chaque lavétaria, Gmara, Rashi, Tosfot. Moi, je ne croyais pas que ça existait encore dans notre génération. Je me disais cette semaine, je n'avais jamais entendu parler de ce collège jusqu'à cette semaine. Ils ont commencé un groupe de 10 avrechim. Ils ont été se faire interroger par Rav Kanievski. Il était impressionné de leur connaissance. Tout le chasse. Ils sont venus ? Bien sûr. Ils sont venus ? Oui, ils ont été interrogés par Rav Kanievski. Dans quel âge ? D'après les images, 30 ans. 30 ans, 20, même il y en a peut-être un peu plus jeune, peut-être un peu plus vieux. 25-35. Ils ont été interrogés par le Rav Kanievski. Il était tellement impressionné qu'il leur a dit, il a poussé le responsable là-bas, le Rav qui s'occupe de ça, d'ouvrir d'autres sniffings. Aujourd'hui, il y en a 5. 5 sniffings. Et là, vous attachez bientôt, il y en aura un 6e.
Ils ont été interrogés cette semaine. Ils ont fait un grand mahamad et ils ont amené un rav, un grand rav de Monsi, des États-Unis, qui est connu pour être bâti dans toute la Torah. Il finit tous les ans, comme certains de ces équipes de cette génération, ils finissent tous les ans le Shast, Bavli, Yerushalmi, Shupranaruch. Tous les ans, ils finissent ça et ils bâti dans tout. Ils ont fait venir un invité d'honneur et celui qui les interrogeait, c'est Rav Yitzhak Yosef. C'est venir Rav Yitzhak Yosef. Ils ont fait un grand mahamad. Et Pachout, ils étaient impressionnés. Vous verriez dire. Alors il y a un petit Sinton, il y a une petite vidéo où on voit les questions. Et cette année, ils ont décidé de poser des questions, pas des questions qui sont superficielles, des questions pour y répondre. Il faut connaître Beiyun, le chasse. Comme par exemple, combien de nafkaminot on voit dans le chasse? Si ça fait que de oraita la chumra, c'est mis de rabanan ou mis de oraita? C'est du lourd, on dit. C'est pas des questions où c'est écrit ça, où c'est écrit ça. Et toutes les questions presque comme ça. Il y a des questions aussi où on voit ça, où on voit ça, où c'est écrit ça. Ils sont comme ça. Ils sont peut-être une quarantaine, cinquantaine. Tout mélange Sfaradim, Shkenazim, Chassidim. Et tu les vois, comment ils répondent, c'est le feu. Et ils posent des questions à Rabbi Yitzhak Yosef, d'où on déduit ce yesod de halakha. Alors ils comme ça, et le Tosfot Banida, et Daftane, et tout ça de là, tout ça de là. Mais non, parce que de ça, il n'y a pas de ça, c'est pas une preuve comme ça, et comme ça, et comme le feu. Ils sont une quarantaine de personnes, peut-être 50 personnes, 50 je crois, Baki, dans tout le chasse Béalpé. Gmara, Rachid, Tosfot, tous les Tosfotim du chasse. Botan, ça existe. Il y a encore ça, mais encore la Torah, bien ici. Et ils font ça. Alors, là-bas, ils expliquent, les rabbinis qui ont poussé ça, depuis que c'est devenu connu ce Inyan, combien ça a donné de Shifot à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes de comprendre et de savoir qu'on peut arriver à ça. Voilà, regarde de tes yeux. Tout le chasse belle paix. C'est beau, hein? Il y en a. On travaille. Ça donne envie. Ça donne envie, la bataille. On voit ça, ça donne envie. C'est faisable. Az. C'est ce qu'il dit ici à Gazoubo. Il dit à Moshe, je veux que tu ailles raconter à tout le monde ce que Pinchas il a fait. Quand on entend un tzaddik qui fait une grande chose, quand on entend quelqu'un qui fait une grande chose, ça donne envie aussi à tout le monde de le faire. C'est pour ça que c'est tellement important de lire des histoires de tzaddikim. Il dit, si pour être tzaddikim, agadot, si pour tzaddikim, c'est ma'asim erkava. Comme ça s'écrit dans la Gemara ou dans un Midrash. C'est ma'asim erkava, ça veut dire que c'est... Comme la Kabbalah, Masim Rakava c'est la Kabbalah, qui est où celui qui lit les Sipurot Tzadikim, c'est un niveau haut comme la Kabbalah. Pourquoi? Parce que ça pousse l'homme à avancer. Tu lis tel Tzadik il a fait comme ça, tu lis tel Tzadik il a fait comme ça. Même voir les photos de Tzadikim, voilà, on a mis des photos. À la maison j'ai mis plein de photos de Tzadikim. Rien que voir les Tzadikim, ça donne envie. D'apprendre comment ils ont réussi à atteindre telle chose, et comment ils sont passés par telle épreuve, et comment, etc., etc., etc. Ça donne envie. Quelle question qu'ils ont posée là-bas, c'est incroyable. Incroyable. Que des questions comme ça. Peut-être encore une autre question. Où on voit, il est Warren. On voit qu'il y a 200 de korbanot qui se mélangent. Un sang, on est chayav arba. Un sang, on est chayav shtaim. Et ils se mélangent les deux. Et ça suffit. Et une machloket, si il faut jeter shtaim ou arba. Hein? Où on voit ça? Yerubin, daf. Ils ont posé la question? Avitrak Zef, il a posé cette question. Deux endroits, Yerubim et Dafkouf, et encore un autre endroit.
On a besoin d'étudier ça pour l'instant. Ben, il faut la sortir, cette question-là. C'est pas une question qui est quelque chose de fréquent. Et dans quel? Dans Svarim. Dans Svarim. Ils répondent tous Torquay-Dédibourg. Ils ont tous un micro. Et tu vois, c'est la foire. Tout le monde répond Torquay-Dédibourg. Tac, tac, tac. Deux micros. Toutes les questions comme ça. Tout le monde répond. Ils appellent. Il y en a, ils répondent pendant la question. Pendant la question, ils répondent. Tac, 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 tac. Ils ont étudié, ça c'est sûr, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas dû respirer. Ah ben c'est faisable. Et si c'est pas ce niveau-là, au moins le finir le chasse. Au moins l'étudier. Au moins passer sur le chasse, une fois. Le connaître par cœur, c'est vraiment du travail, c'est fou ce travail, c'est une situation incroyable. Mais au moins de finir tout le chasse. Chacun il se fait un sévère tout seul, c'est facile. Ah, sa femme brouhaha, Mishnah brouhaha, kol barou. Prends. Tout est clair, tout est expliqué. Mais en français, arskol, en français arskol. Ah, alvaï. Alvaï, quelqu'un il prend arskol en français, il fait tout le chasse. Il lit pas le côté français seulement, oui, il lit en hébreu. Il est la Gemara, il voit l'explication, Alvaï qui finit comme ça tout le chasse, Alvaï. C'est combien de connaissances? On l'enregistre comme ça? Assez ben Azmani, il fait au moins deux macertes. Deux macertes pour faire ben Azmani, deux petites macertes pour faire. Hein? Trois semaines ben Azmani. Une semaine et demie, une macerette, une semaine et demie, une autre macerette. Ouais, genre, tu prends un scroll, tu prends des trucs comme ça, tu lis. C'est pas dur, tu prends pas des macerettes dures. Prends une macerette facile. Si c'est pas deux macerettes, au moins une macerette. En trois semaines, on peut faire une macerette, on peut faire une macerette. Tu fais un daf et demi, deux davis par jour. Tu fais plus que une macerette. Deux davis par jour. Fois 21 jours, ça fait combien? 42. 42 d'abîme, tu fais une belle macérette. Facile. Moi j'ai dit 2 d'abîme par jour. Tu peux faire 3 d'abîme par jour. On peut faire 3 d'abîme par jour, c'est pas dur. Vous rigolez, mais c'est pas dur. C'est dur? Toi, pas avec moi. Moi, je prépare pas aussi. Des fois, on est ensemble. C'est pas dur. On fait des macertotes dures. C'est pour ça que c'est dur. Mais viens, on prend Megila. Venez, on fait Megila en chiot. Vous voyez, en une semaine, on la finit pas. Madame. Voilà, prends Megila. Prends des macertotes qui sont faciles. Prends Brachot. Si on fait Brachot entre nous. Fais pas fais 4 d'abîme par jour. Là, parce qu'on a fait, on a pris Irouvin. On a pris une des macertotes les plus dures du chasse. Et quand même, on a tenu un rythme de 7 d'apim en moyenne par semaine. C'est magnifique. Là, en gris d'août, chaque daf, il vaut 5 d'apim. Ah, malin, c'est pour ça qu'on prend les macertes du chasse. C'est pour ça qu'on va doucement. Ah, ben, toutes les macertes, les roses des macertes du chasse, ce ne sont pas dures. Prends Baba Kama, prends Baba Metsia, prends des choses comme ça. À part un Pérec ou deux Pérec. C'est pas dur, c'est pas des macertes dures. On peut faire beaucoup. Maseret Shabbat, c'est pas Maseret dur, c'est des belles Maseret. Pourquoi Maseret comme ça? Il faut des chiffotes, grand. Il faut voir grand, il ne faut pas se restreindre. Attention, on a une voix grand, il avance. Azel est mort. Il dit à Kadosh Baruch Hu,
ולא ישנאוהו בשביל הריגת הנשיא, ובמה שנמשך מסיבתו שחוות המלאך מהם מה שחוות באומרם זל כאשר אבאר בסמוך. טוב, פנחס בן אלעזר צריך לדעת למה הוא צריך ליחסו פה, פחתו יפוז את יסון אורח חיים. רואי בזנדיר כדי בן אלעזר. אז יא רשי כן מיישב את קושיה. Il dit parce que Elazar ben Aharon, Aharon aya ohev shalom, rodev shalom, c'est vrai que le maaseh de Pinchas ne vient pas chas v'shalom d'un acte de cruauté et n'est mêlé dans son action aucune mida qui est des mauvaises midot, chas v'shalom, et là tout ce qu'il a fait c'est à 100% les shem shemal. C'est pour ça que son action est tellement grande. ועוד נראה שנתכוון להשלים ישראל עם אהרון שסיבב נפילה גדולה מישראל באמצעות העגל. יכתיב ויגוף השם את העם אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון הרי עמד פנחס בן בנו ופדע כל ישראל. זה בו פשט. די עם ישראל on voulait un petit peu אהרון, אהרון הכהן. Ils ont voulu un peu אהרון. Pourquoi? Parce que כביכול, à cause de lui, il y a eu le העגל qui a été fait. Alors, qui a fait le העגל? Qui a permis de faire le Hegel? C'est Aaron. Hor il s'est opposé. Ils sont venus, ils ont tué Hor. Après ils sont venus voir Aaron. Ils ont dit fais-nous le Hegel. Aaron il a vu que s'ils s'opposent, ils vont le tuer quand ils ont tué Hor. Alors il a dit amenez l'or, amenez tout l'or et l'argent de vos femmes aussi. Lui il a cru que jusqu'à que les femmes vont sortir l'or, ça va prendre du temps. Il dit d'ici là, Moshe Rabbeinu sera revenu. Il restait 6 heures. 6 heures il restait pour que Moshe vienne. D'ici là, mon cher Abel, nous serons venus. Amenez-leur des femmes. Quelle femme veut commencer à sortir son nom? Il dire, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux de chez moi? Amène-toi ton nom. Va t'en rendre. Et il était étonné à Aaron de voir que les femmes, elles ont enlevé tout de suite leur or. Elles ont tout donné sans discuter. Elles ont vite, vite, vite donné. Et le Hegel s'est fait beaucoup plus vite que ce qu'il croyait. Il y a eu ce qu'il y a eu dans Amisraël. Alors Amisraël, ils en voulaient un peu à Aaron qui l'a permis de faire le Hegel. Et à cause de lui, il y a eu une grande maguefa sur Israël. Il y a eu beaucoup de morts. Ils ont tué Aaron, alors que... Ils ont tué Ro. Ouais, tu sais comment c'est un juif. Tu sais, je sais pas. Quoi que tu fasses, c'est un problème. S'il s'était opposé, on l'aurait tué. S'il s'est pas opposé, c'est à cause de lui. Chaque chose qu'il va faire, un problème. Ils ont volé. Sauf, ils ont volé. Est venu Pinchas réparer ce qu'il a fait avant. Pinchas, et Shiv et Tramati, Maral Kol Ben Israël, Velo, Khilit et Ben Israël, Bekin Atin. Akadosh Baruch Hu devait, Hatz Shalom, anéantir en Israël. Est venu Pinchas, il a sauvé tout le clan Israël. C'est pour ça que Pinchas il est mieux grâce à Aaron, pour dire que Pinchas il a réparé ce que Aaron a kavichol engendré. Ah mais Pinchas il a tué plusieurs personnes alors que Aaron qui se rend pour tout le monde. Non, Pinchas il a sauvé tout le monde. Mais comment il... Et Aaron il a causé la mort à beaucoup de monde. Mais il répare un truc alors que c'est beaucoup plus facile. Pinchas que Aaron. Aaron il y avait tout le monde, là, il y avait une vraie ambiance, il y avait tout le monde qui était pour Javier. Alors que là, il y avait une personne et il avait son groupe. Il y avait la colère sur Am Israël, Akadosh Baruch Hu voulait détruire Am Israël. Pinchas les a sauvés. Ça a réparé ce qu'il a fait avant. On n'a pas besoin de comparer la difficulté. Sans rentrer dans ce que tu dis, je ne sais pas si ce que tu dis c'est vrai, je ne pense pas, que ça c'est plus dur, ça c'est moins dur. Ah ben, sans rentrer là-dedans, la réparation est à ce niveau-là que Akadosh Baruch Hu il devait détruire Am Israël. Et puis une race des assauts. Quand je t'aime. Dirti va yigof Hashem et ha'am asher asu et ha'egel asher asa Aharon. Voilà le pasouk. Il fait dépendre la... Gabriel, tu es dans les sables mouvants, j'ai peur. Hachem, tu m'as fait peur, je crois que la terre... Non, je vois, doucement, doucement, je crois.
ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. הרי עמד פנחס בן בנו ופדה נפש כל ישראל כאומרו בסמוך ולא חיליתי את בני ישראל ולזה יחסו עד אהרון. ותמצא שאמרו זל במדרש שהיה אהרון עומד ומתקן והיה מלמד כל ישראל תורו מעשים טובים. אהרון היה עומד ומתקן ריפרי שפות en enseignant à Am Israël la Torah, les ma'asim tovim, les bonnes actions, les mitzvot. Alamata shaya nechshav ala Aaron akinkul, shigara bemitat amra vayam mevakesh letaken ma shenifrat. Je vois qu'Aaron lui-même, il a cherché à réparer ce qu'il a fait. Donc on voit que Aaron était conscient qu'il a causé ces dégâts à Am Israël. Et quand Ramaz Hashem, qui pinhas shilem bemitat tovam merubba. Et shiv et hamati, encore 5 minutes. כוונת הודעת דבר זה אולי שבא לומר לו שלא יחשוב שהשם השיב את חמתו ולא אמצעות זכות אשר כפה מידת הדין. ז'ורי פיקחוה כקדוש ברוך הוא סקילה סקילה sa colère, il l'a atténué, il l'a effacé sa colère. C'est מידת הרחמים דשם. קדוש ברוך הוא למידת הדין, למידת הרחמים, c'est lui qui décide. Quand est-ce qu'il veut utiliser cette mida? Cette mida, alors là, il y a vu Midat Adin. Et Kadosh Baruch Hu, lui-même, il a été coiffé Midat Adin et il a fait dominer Midat Arachamim. Non. Veyetze mize shachom Moshe ki Hashem itnaeg beseder ze. C'est la nagat Hashem. Lachen odi Hashem ki Pinchas hu shehaya sibba lashim hamar. Pinchas, c'était lui qui a changé, qui a transformé la Midat Adin. Regardez c'est quoi l'action d'un juif. Comme ça beaucoup de tzadikim. Et puis l'éveil sera du verdict de Shabbat Hashem. Sur toi il gagne à l'aide. C'est le Goran chez Israël. C'était toute sa vie. Toute sa vie, c'est d'annuler Midat Adin. Il disait que du bien sur un Israël. Que du bien. Il y a beaucoup de blagues sur lui. Des blagues. À tel point qu'il cherchait à dire du bien sur des juifs. À tout prix, on raconte sur un qui faisait vidouille. C'était un grand rachat comme ça. Il faisait vidouille comme ça, Stam. Ça sort de faire vidouille, Stam. Il faisait vidouille comme ça, c'était un grand rachat comme ça, il était connu. Et il venait à te filer comme ça, il faisait vidouille. Il dit, regarde ton peuple juif. Ils disent que la vérité, regarde celui-là, il ment pas. Toute la vérité, il dit. Tout ce qu'il a écrit là-bas, il fait. Tout ce qu'il a écrit. Je sais pas si c'est une blague qu'on raconte, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'histoires sur lui où il cherchait à tout prix dire du sroud sur Am Israël. Il disait des choses incroyables. C'est la force, Am Israël, il a un juif, n'importe lequel, n'importe qui, même entre nous, parmi nous, il a la force de transformer la Midat Adin vers la Fochotan et Midat Rahamim. C'est ce qu'on fait tous à Rosh Hashanah. ותעמוד מכיסא דין, ותשב על כיסא רחמים, חסרון דין, עבור לתקיעות, נכון? לשם איחוד, לתקיעות. תקיעות שופר, זה אקזקטורוס קונפי. און אבייך זה מידת הדין, למידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא יושב, יסלב בכלל, דנטרון, כי דנטרון דה דין, איס אסורה אסור דנטרון, כי יסלבי דה רחמים. אז זה פעם לפרס דו כלל, אבל לא מפרט. לא מפרט. מהם שחסו המם. Là, on va sur plein Israël, sur soi-même aussi. Quelqu'un qui va prendre sur lui, il ne va pas répondre quand on lui parle mal, etc. etc. Quand la ma'avir a mis l'otav, ma'avir il lui met dans le col pécharab. Ça veut dire quoi? Si Amida Tadine sur l'homme, il y a des jugements sur l'homme, vous avez dit, il y a des jugements sur l'homme, et le dîne sur l'homme. Qu'est-ce qu'il fait pour effacer ce dîme-là? Il est maravir à la midot. S'il est maravir à la midot, maravirim, il mène au col pisharab. Voilà, il un homme, il transforme midat adin en midat arachamim. Le premier qui profite, c'est lui. Comment? Quand un, il vient, il fait quelque chose qui ne lui plaît pas, ou il le met en colère, ou quoi, lui, il est hysté. Il encaisse, il ne dit rien. Il prend. Si dans son cœur aussi il arrive à prendre sur lui, ça va encore plus haut niveau.
C'est dans son cœur, il arrive à se réjouir, c'est encore plus haut niveau. Vous avez entendu, j'ai dit trois niveaux. Trois niveaux, j'ai dit. Premier niveau, celui qui est dans la bouche, il dit rien. C'est déjà un niveau. Dans le cœur, il boue. Pas qu'après, il explose d'ailleurs. Oui, il y en a dehors, il se tait comme ça, il arrive chez lui à la maison, boue. Il explose sur tout le monde. Un demi-mot qu'on lui dit, c'est fini. Il vaut mieux exploser dehors. Je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui, dans son cœur, c'est dur, ça lui fait mal, il a la haine, il a la colère, mais dans sa bouche, dehors, il dit rien. Son visage, il reste bien. C'est merveilleux. Alvaï. Alvaï qu'on arrive à ce niveau-là, tout le temps déjà. Un deuxième niveau, où dans son cœur aussi, ça va. C'est pas folie. On lui a fait quelque chose qui est très dur, tout de suite il a. Et il se travaille. C'est bon en l'âme, c'est bien avant notre, c'est truc, tout va bien. Et il y en a un autre, troisième niveau, qui est sa mère. Mais ce mère, mais ils sont. C'est combien j'attendais que celui-là il vienne, qu'il me rabaisse comme ça devant tout le monde, et qu'il me fasse honte. Pourquoi il a trouvé l'occasion maintenant d'effacer toutes ses fautes. Et ce mérite, mais c'est le troisième niveau, c'est le plus haut niveau. Allez, Anne et Emma, vous avez dit que c'est un HMH, mais vous vous ratez. C'est le plus haut niveau. C'est quoi, pardon ? Pour ça, la réponse, il disait sa mère ? Non, 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 pas pour la réponse. Non, non, pas pour la réponse. C'est pas, ça marche. Alvaï. Qu'est-ce que c'est pour la récompense ? Alvaï. Alvaï, que ce soit pas des sous-chamaïs, Alvaï. Au moins que. On respecte l'autre et qu'on se taise et qu'on. Alvaï. Enfin, là, ce qu'on dit, c'est qu'il est sa mère, qu'il remercie Hachem, il est sourire qu'il a Hachem lui donne. C'est un très haut niveau, ça. Alors, cet homme qui fait ça, il est Marvirim, le Nokol Pesham. Si sur lui, il y avait des dossiers lourds, de ses Averot, des Dinim, et on attendait, ils étaient en attente, les dossiers d'un. Ou du Psak Din, ou de la sentence. Qui doit. Psagdin, c'est pas sentence. Enfin, sentence, c'est la punition. Psagdin, et après, il y a la punition. Et c'est en attente, la punition devait arriver, c'était prévu. C'est des dynimes, ça, sur l'homme. Puis, comme on lui avait prévu, dans une semaine, le matin, sa voiture, elle est brûlée. Ou quelque chose d'autre, ou dans la rue, maintenant, il va tomber, ou les. Toutes sortes de. Il manque pas la liste, est vraiment. C'est Midatadine. Ça aussi c'est bien. Midatadine, c'est pour réparer l'homme. Il n'est pas, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas, c'est chez l'homme méchant. C'est pour réparer la véro de l'homme, pour qu'un homme il arrive au l'homme, bah, il soit propre. Alors, même ça, on ne veut pas. On veut une réparation d'une autre façon. Je veux d'une autre façon, pas de problème. Voilà, l'occasion. Quelqu'un il vient, il lui parle mal, il lui fait quelque chose qui lui déplaît, il lui a pris, il lui a renversé, il lui a pris ses affaires à lui, il lui a pris ses. C'est cariote. Il a pris son carite. Il a tout pris. Et lui, il arrive comme ça. Et ça fait trois jours qu'on lui prend. Et il ne sait pas c'est qui. Et là, il le voit. Ah. Et trois jours, plus le quatrième, maintenant, il va lui sortir. Tout d'un coup. Et là, à ce moment-là, que ça lui porte. Bonheur, que ça. Hachem, il se mord à l'âme. Hachem, il se mord au temps. Il prend, je suis content, un juge, il a pris mes carrières. Qu'il se route, merci Hachem. Merci Hachem. Un juge, il a pris mes carrières. Qu'il se route que j'ai eu. Il lui dit rien. Il va aller, il va s'acheter d'autres carrières. Si. Je dis, ça vaudra à lui. D'accord ? Je dis pas, maintenant l'autre, il faut le réparer peut-être. Il faut aller voir les rabbinim, là, je crois. Il faut lui faire la 3A. À lui, non ? Pas du tout. Non ! Pas la peine, il faut aller voir les rabbinim, il faut aller voir Zé, il dit voilà, il y en a un, sans dire son nom même, il a fait comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et les rabbinim, ils vont réfléchir et voir comment, c'est ce qu'il y a. Ben lui, il est Mekabel Be'ahava. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? On lui efface toute sa verrote. La semaine prochaine, la voiture ne va pas brûler.
et le pont, tout va bien marcher, et il va pas tomber, et tout le monde va. Il a transformé Midata Din en Midata Mara. Pourquoi? Il a été Mahavir et Midata. Mahavirin lui mène en Kodesh. J'étais par ce moment-là. Et ça, c'est pareil dans tout. C'est pas Mazer Khashoggi. Comme ça, il dit, mais Chaim Vital dans Sharik Dusha, si un homme il avait des yeux de Sechel, il m'a dit Sechel Echa. Aïta Mechapé Sachar Anashim Shinzaharoucha, comme ça il dit. Si tu avais des yeux de Sechel, tu chercherais toute la journée des gens qui te font du mal. Tellement que c'est grand et c'est important pour l'homme quand on lui fait du mal, et lui, il rend le bien. Combien ça arrange l'homme? Combien l'homme il met à ken ses midot dans ces circonstances? On ne veut pas ni ses notes. Quand ils sont là, j'aime bien Azan, on les accepte, on se met à ken nos midot, on est de la Yirat Shamayim, on fait de la Yirat Shamayim.